Milady n'a rien perdu de ses qualités, comme vous voyez. Elle en a même acquis beaucoup d'autres. Vous la trouvez changée ? Méconnaissable. Et je ne vous ai pas tout montré. Elle fait maintenant une pirouette renversée sur trois jambes, très brillante. Je suis même en train d'obtenir d'elle un piaffé dépité, ce qu'on n'avait pas vu en public depuis longtemps. Vous voulez la monter ? Pour rien au monde. Un cheval n'appartient pas à deux hommes. Et maintenant, mon commandant, faites-moi vos critiques. Votre savoir est sans limite. Dites-moi toute la vérité. Rien à dire, rien à signaler. Tout est parfaitement parfait. Blâmez-vous les petites fioritures que je me suis amusé à lui enseigner ? Peut-être pourriez-vous lui faire mettre un genou à terre, après un moment de lutte apparente, naturellement. Je n'y avais pas pensé. Je vous recommande aussi un exercice très impressionnant. À l'international, hors show, ça a beaucoup de succès. Éteindre des bougies avec la cravache en passant au galop. C'est pas du dressage, c'est du cirque, vous moquez de moi. Du cirque? Mais croyez-vous que tout ce que vous m'avez montré depuis une heure soit autre chose? Du dressage de caniche? Je vous ai vendu un cheval joyeux, brillant, rassemblé au souffle de la boîte, prêt à se livrer à la moindre ouverture des doigts, et vous montrez quoi? Une pauvre créature malade. Malade? Comment malade? 14 litres d'avoine par jour. Mais suralimenté, c'est la même chose. Atteinte dans son persan et dans ses allures, moralement anxieuse, un canasson de saltimbanque. Il ne vous manque plus qu'un habit bleu à passepoil cramoisi. Et cette bouche, monsieur, brisée, brisée par vos saccades et vos coups de sonnette, ça, c'est sans doute le résultat de vos travaux, de vos efforts pour obtenir quelques changements de pied au temps, non? Elle les exécute à merveille. Oui, elle les exécute dans la terreur, monsieur, car elle vous exècre. Je suis parfaitement doux avec elle. Votre douceur n'est que de l'irrésolution, pour ne pas dire de la peur. Et c'est ça qu'elle déteste. Enfin, mon cher commandant, qu'est-ce que c'est, selon vous, que monter à cheval? C'est mettre un cheval en équilibre et l'y maintenir sans effet de force, c'est tout. Un cheval, c'est une balance. Et que peut-on faire, selon vous, de plus difficile? De plus difficile? Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, un pont de chemin de fer? Non, c'est l'aqueduc qui alimente Namur. Un ouvrage de 300 mètres de long à 25 mètres au-dessus de la vallée. Quelle largeur? 2 mètres, 2 mètres 50. Mais quel rapport avec l'équitation? Oui, vous allez comprendre. Mais pour ça, il faudrait que je reprenne en main Milady. Ça, volontiers, restez autant qu'il vous faudra. Oh, ça ne sera pas long. Laissez-nous causer en tête à tête et à ma voix, elle comprendra ce que j'attends d'elle. Pourquoi qu'allez-vous donc faire? Ce qu'il y a de plus difficile, de plus extraordinaire, monsieur. Marcher droit. Je vais vous montrer comment on marche droit, monsieur Grimbach.